serait temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux. Amen. Et avec votre esprit, en reconnaissant que nous avons péché, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur notre Dieu, tu es tout puissant. Nous te chantons et nous proclamons ton immense gloire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. Joie au ciel, que la terre exulte. Pour toujours, il donne sa paix.
Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le Fils du Père et l'agneau de Dieu, tu es notre frère. Gloire à Dieu, le Seigneur nous aime, joie au ciel, que la terre exulte, qu'on l'acclame, il est grand notre Dieu, pour toujours il donne sa paix. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Versets 11 à 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie. Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez, oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétablie dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, non Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit, par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'Alliance,
que Dieu a conclu avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, méditons ensemble le psaume 8, les versets 4 et 5, 6 et 7, 8 et 9. Après chaque strophe, nous répétons ensemble, « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Ensemble. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » « Avant ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. » Ensemble. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » « Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. » Tu mets toutes choses à ses pieds. Ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À présent, mettons-nous debout pour l'acclamation. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 24, du verset 35 au verset 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, mais comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites. » Quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour ?» et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu.
Christ est vivant, plus de larmes, plus de cris. Alléluia, alléluia. Christ est vivant, un monde nouveau surgit. Alléluia, alléluia. Jésus, l'équité ou bien le poté, avec la mort, Jésus, c'est désolation, mais en même temps, c'est la peur. Désolation, bon côté disciple, bon côté monde qui était avec lui, parce que pratiquement c'est fini. Mais bon côté disciple, il y a non seulement désolation, mais il y a une peur. La peur des représailles, parce que si vous touillez mettre là, donc yo même faut que yo mette yo à l'abri parce que yo katouye yo tout. Donc non seulement yo désolé, yo perdu tout espoir, mais en même temps yo peur pour juif yo pas faire passer par même chemin ça. Maintenant, avec résurrection hein, qui c'est accomplissement ça qui était annoncé dans les écritures mais également dans bouche Jésus, parce que petit monde n'a gain pour mourir après 3 jours la pleuvé bien vivant. Maintenant, dans la résurrection, apparition, yo vin jouer un rôle essentiel. Qui rôle yo joué? Apparition permet que pas gain désolation encore, parce que Jésus fait yo well, donc c'est vrai, c'est il est vraiment levé bien vivant. Donc désolation li remplacé par la joie, que yo content parce que sauveur a li levé bien vivant. Mais maintenant, même en dans apparition, il y a moun ki pa capable croire ça yo wè. Donc toujours gagné yon doute, yo pa croire c'est lui même, ou du moins est-ce que c'est pas yon zombie, yon fantôme. C'est ça que fait Jésus, fait l'autre bagaille pour arriver faire wè tout bon vrai, ouvrir yeux yo, ouvrir intelligence yo. Même Jean li te fait sous chemin avec les disciples d'Emmaüs pour wè réellement c'est le Christ, il est ressuscité. Donc ce Macfremio, dans célébration la messe jeudi a en nous demander bon Dieu, puisque Jésus est toujours au cœur de nos vies, en nous demander bon Dieu pour habiter que nous, pour dissiper les doutes, pour dissiper les désolations qui habitaient que nous, pour y mettre la joie de la résurrection. Amen. Ce vin que ta main nous donne, Père Saint-Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Qu'il est grand, ô Seigneur, ce mystère digne de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos prières comme une offrande d'amour. Prions ensemble, on offrira à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Accueille avec bonté ce sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Non.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque, Monsieur Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin, sur les personnes qui se confient à nos prières, sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. De Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur, pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité.
Dire merci qu'on y aille et pour tout un guetant comme elle m'a fait dire merci qu'on y aille et pour tout un guetant pour la vie vous pas moins comme elle m'a dire merci pour la joie pour ben moi comme elle m'a dire merci pour aimer comme elle m'a dire merci pour tout ça fait pour moi comme elle m'a dire merci merci comme elle m'a fait dire merci qu'on y est. Grand-mère m'a fait dire merci qu'on y est et pour tout un guetant pour l'esprit. Grand-mère m'a dit merci pour talent pour ben moi. Grand-mère m'a dit merci pour guérir ou guérir. Grand-mère m'a dit merci pour nourrir ou nourrir. Grand-mère m'a dit merci, merci. Grand-mère, grand-mère m'a dit merci qu'on y est. Et pour tout un guetant, grand-mère m'a fait dire merci qu'on y est. Et pour tout un guetant, grand-mère m'a fait dire merci qu'on y est. Et pour tout un guetant, grand-mère. Merci qu'on y aille et pour tout en guettant. Prions
encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous souhaitons le joyeux anniversaire aux personnes qui célèbrent leur anniversaire. Joyeux anniversaire de confirmation à Marvin Emmanuel. Joyeux anniversaire de naissance à Alzir Chapuzette, Antonia Chéri, André Nicolas, Auguste Marie-Claude Louis Jeune, Claudette Nicolas, Djouma, Franck Thierry Saint-Éloi, Eliette Michel, Franzen Dorisca, Giovanni Joseph, Harry Sanchez, Jacinthe Marcelin, J. Brian Louis Jeune, Jessica Pierre, Joseph Ravensley Fabrice, Josette Lacoste, Christia Georges, Lorvana Richardson, Lucienne Ménélas, Jean-Marie Robert Chéri, Marie-Hyacinthe Marcelin, joyeux anniversaire de naissance à Lucette Eugène, Cathy Neptune, Marvin Emmanuel Rousseau, Monique Sanon, Monsieur Jean-Marie Robert Chéri, Nadine Perrault, Réginald Rousseau-Déus, Roselor Jacques, Viviane Hilaire, Yamanta Saint-Germain, Chanika Joseph, Madame Julio d'Orléans, Marie Surette Trévant, Islande Gilbert, Jefferson Elia Loriston, Myriam Delerme, Jastra. Nous souhaitons à toutes ces personnes le joyeux anniversaire. Et nous disons merci à l'équipe qui a animé. Aux chantres, merci aux musiciens, merci également à l'équipe de prière, merci à chacun et chacune de vous, merci aux techniciens de la RTA. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, mettez-vous debout pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus ressuscité, alléluia, amen. On dit bon Dieu merci, alléluia, amen. Jésus ressuscité, alléluia, amen. On dit bon Dieu merci, alléluia, amen.